Yes, je commence avec cette parole. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Captivant, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça commence, en fait, le Cantique des Cantiques. C'est un livre dans la Bible. Étonnant, hein, ça commence comme ça, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Le Cantique des Cantiques, on l'appelle aussi le plus beau de tous les chants. Et en fait, c'est un hymne à l'amour dans la Bible. Martin Luther a dit, il n'y a pas de relation plus adorable, tendre et charmante que celle d'un bon mariage. Amen. Tous les couples heureux disent Amen. Amen. Hey! Je trouve que sa parole, il y a une certaine consistance, sachant aussi que bah, Martin Luther, non seulement c'était un des personnages clés de la réforme, mais aussi il a été moine la moitié de sa vie. Quand il dit, il n'y a rien, il n'y a aucune relation aussi adorable, aussi tendre que le mariage, il y a une certaine profondeur. À la fin de sa vie, on a posé la question à Billy Graham s'il n'avait jamais songé à divorcer de sa femme. Et il a dit, j'ai jamais pensé à divorcer, j'ai jamais pensé au divorce, ça m'est arrivé de penser au meurtre. Et tous les couples heureux disent Amen. Le mariage est paradoxal, hein, n'est-ce pas? Il est tellement paradoxal, tellement délicieux et tellement de défis à la fois. Puis aujourd'hui j'apporte, c'est ça, le dernier message, la conclusion de cette courte série de messages qu'on a eu sur le mariage tout au long du mois de février et qu'on a appelé « Cultiver mon couple ». Puis un des objectifs pour nous dans cette série, c'est d'observer, de regarder à quoi Dieu a pensé lorsqu'il a inventé, lorsqu'il a institué le mariage. Un autre objectif aussi, c'est de découvrir comment notre foi en Christ, alors que nous marchons derrière lui, comment est-ce que cette foi, en fait, transforme et change notre façon d'aborder notre vie sentimentale et maritale. Combien savent que lorsque Dieu entre dans un cœur, dans une vie, tout est bouleversé. Tout est bouleversé. Quand il rentre dans un cœur, il n'y a absolument aucune parcelle de notre vie qui n'est pas sous son influence. Puis un des objectifs pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, alors il change vraiment en profondeur tes croyances, il change ton caractère, tes comportements, tes relations, ta vision du monde, tes habitudes. En fait, il change absolument tout. Et l'évangile change aussi notre façon de voir notre vie de mariage, notre vie de couple. Alors, pour certains, tu n'as jamais été aussi attentif et autant assidu à l'église. Hein, tu veux savoir, tu veux connaître le principe, peut-être la clé de comment se préparer pour le mariage ou alors comment peut-être réparer ton mariage. Pour d'autres, honnêtement, tu te réjouis de la prochaine série parce que juste tu te dis, mais pff, ça ne me touche pas tellement et puis j'en ai juste, voilà. Tu ne te sens pas tellement concerné. J'aimerais dire ceci, tu es extrêmement concerné par ce message, tu es extrêmement concerné par cette série de messages. Et voici pourquoi. Tu es concerné parce que tu es marié, tu es concerné parce que peut-être tu vas te marier, tu es concerné parce que tu as été marié, ou alors tu es concerné parce que tes parents sont concernés, tu es concerné parce que tes enfants vont être concernés, ou tu es concerné parce que finalement ton frère, ta sœur va être concerné. Peut-être aussi dans le domaine de la communauté, et c'est important de le dire ici, t'es concerné parce que celui qui est assis à côté de toi, celle qui est assise à côté de toi, est concerné. Et c'est important de le dire parce qu'on a tellement eu tendance à individualiser la foi qu'on se retrouve parfois à s'imaginer que notre vie sentimentale et maritale nous appartient qu'à nous et à Dieu. C'est entre moi et Dieu, c'est pas une histoire de communauté, c'est pas une histoire de les autres, non, c'est que moi et Dieu, mais c'est faux. En fait, ton couple et ta vie sentimentale et ta vie maritale concernent toute la communauté. Pourquoi ? Parce qu'une communauté et une société est bâtie sur la solidité des couples qui la composent. Amen. Ça veut dire que le couple assis à côté de toi, même si tu es célibataire, est extrêmement important pour notre communauté. Donc, extrêmement important pour toi aussi. Alors on parle du couple parce que tu es concerné, mais on parle aussi du couple parce que tu as reçu toutes sortes d'enseignements sur le sujet aussi. Tu as reçu un enseignement par l'exemple de tes parents. Tu as reçu un enseignement par l'exemple des gens autour de toi, des bons exemples, des mauvais exemples aussi. Tu as tiré toutes sortes d'enseignements de tes propres expériences personnelles, expériences positives, expériences négatives aussi.
Mais tu as aussi reçu, et c'est peut-être le plus important, un enseignement de la culture ambiante, à coup de films hollywoodiens, de séries Netflix, de stories Instagram et de publicités. Les sociologues, les observateurs parlent d'une culture hyper-sexualisée. Puis on baigne là-dedans et t'es enseigné, en fait. Tu réalises pas, mais t'as été enseigné. Et jusqu'à maintenant, t'es encore enseigné. Et l'ensemble de ces enseignements, en fait, façonne petit à petit une image de ce que c'est la relation de couple, de ce que c'est le mariage. Alors j'ai une question pour toi en démarrant, c'est quoi ton image du couple? Quand je parle de couple, quand je parle de mariage, à quoi est-ce que tu penses? Quels sont les bons exemples auxquels tu penses? Quels sont les mauvais exemples auxquels tu penses aussi? Et qu'est-ce qui influence réellement cette image que tu as du couple? Certains, vous avez vraiment une très mauvaise image de qu'est-ce que c'est le couple et le mariage, parce qu'il y a eu des déchirements, parce qu'il y a eu des blessures. Pour d'autres, au contraire, c'est un lieu d'épanouissement. Puis l'histoire, c'est qu'on a tous une vision biaisée. On a tous, en fait, une vision irréelle de ce qu'est le couple et de son fonctionnement. Pour ma part, lorsque je me suis marié avec la pétillante Christina, j'avais toutes sortes de mythes, toutes sortes de mythes à propos du mariage dans la tête. Je pensais en fait que, pour vous donner un exemple, que la communication serait extrêmement facile. Ah, les couples mariés rigolent. Tu vois, dans ma perspective, mon couple devrait avoir vraiment une communication fluide, facile. C'est comme si, au jour du mariage, elle aurait dû, comme Dieu aurait dû mettre une puce dans sa tête ou implanter quelque chose en elle, comme ça, elle est connectée à mes pensées, mes sentiments, mes besoins. Elle sait tout à la fois, de manière mystérieuse, sans que j'ouvre la bouche. Elle peut le voir et le savoir juste en regardant comment il se porte aujourd'hui. Elle aurait tout pu savoir d'un clin d'œil. Et le mythe a réellement très très vite disparu, hein, quelques jours à peine. Le mythe est tombé. Et ça peut produire des questionnements, ça peut produire aussi des frustrations dans le couple. Et parce que ton idéal se heurte à la réalité, ça fait toujours bizarre en fait, ça pose toujours des questions étonnantes. Et même ça peut en venir à ébranler la construction du couple, quand ton idéal se heurte à une autre réalité que ce que tu vis. Alors on a tous reçu un enseignement et on a tous une image qui est biaisée, je crois, déformée de ce que devrait ressembler le couple idéal, le mariage idéal. Et dans Romains 12, au verset 2, Paul dit ceci, « Ne vous conformez pas au monde actuel, ne soyez pas conformes, ne vous laissez pas conformer à ce que le monde pense, mais soyez transformés, ne soyez pas conformes, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Aujourd'hui, dans notre culture contemporaine, occidentale, plusieurs mythes circulent, demeurent à propos des relations amoureuses. Pour en citer quelques-unes, voici quelques-unes des mythes qui demeurent. Le vrai amour n'existe pas. Ça, c'est ce que la culture occidentale contemporaine propose. Le vrai amour n'existe pas. Ou alors, l'amour est temporaire. Il dure 3-7 ans, selon la dernière étude de je ne sais pas quel psychologue. Ça ne dure pas longtemps. Ok. Ou alors un autre mythe, l'amour est un sentiment qui va, qui vient. On ne peut rien y faire. J'ai absolument aucun contrôle sur l'amour. Et à cause de tous ces mythes-là, l'institution du mariage s'en retrouve ébranlée. En fait, c'est comme une idée du passé, quelque chose qui n'a rien à voir avec notre réalité aujourd'hui. Alors il y a des mythes dans la culture, mais il y a des mythes aussi, si on est honnête, dans l'Église aussi. Voici quelques-uns des mythes. J'en ai souligné juste quelques-uns ici, mais... Le premier mythe, le célibat est loin d'être un don. Le célibat est loin d'être un don. Et d'ailleurs, les célibataires vont souvent dire, ah, moi j'espère que je n'ai pas le don du célibat. J'aimerais dire ceci à un célibataire ce matin, en fait, tu as le don du célibat. Mais tu ne le savais pas. Mais en fait, c'est parce que le don du célibat n'est pas forcément pour l'éternité. En fait, le don du célibat est temporaire, c'est un don dans la tranche dans laquelle tu te trouves actuellement, dans la saison dans laquelle tu te trouves, c'est un vrai don. Amen. Ça, c'est les gens mariés qui disent Amen. Puis le problème, c'est que si on croit à ce mythe-là, en fait, on passe notre temps, notre saison de célibat à attendre que quelque chose démarre. Puis on n'entre pas dans ce que Dieu a prévu pour nous, simplement parce que ma vie pourra démarrer uniquement lorsque je rentrerai dans la saison du mariage. En attendant, je suis juste en train de prier que le don s'éloigne de moi.
Dans 1 Corinthiens 7, verset 32 et suivant, Paul dit ceci: « Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme, et le voilà tiraillé de part et d'autre. » En fait, le célibat, c'est surtout une saison de ta vie qui est extraordinaire, où Dieu est capable de faire des choses magnifiques, en fait, de façonner ton identité, de révéler tes dons, de te diriger en fait, pour que tu prennes la bonne trajectoire dans ta vie. Et tu sais quoi, tu vas commencer à courir, tu vas commencer à entrer, et puis là, petit à petit, il y a une personne qui va ressembler, qui va petit à petit dans la même direction que toi, et puis peut-être que c'est la bonne personne. N'attends surtout pas le mariage pour entrer dans les choses de Dieu. Amen. Le deuxième mythe, c'est que le mariage est censé résoudre la grande majorité de mes problèmes. Et ceux qui sont mariés depuis plus de 2 jours savent à quel point c'est faux. En fait, je dirais même que c'est l'inverse. Ce que tu as comme problème, tu l'importes dans ton mariage. Et là, il est comme révélé. Peut-être que tu ne voulais même pas qu'il soit révélé, mais il est révélé parce qu'il y a comme un témoin qui voit le problème dans ta vie. Puis parfois, ça fait mal. Alors si tu penses que le mariage est le sauveur dont tu as besoin, en fait, je te présente Jésus. Va vers Jésus, commence par Jésus. Parce que c'est réellement ça dont tu as besoin pour changer en fait, de direction dans ta vie. C'est extrêmement important en fait, de réaliser que tes problèmes, tu ne vas pas les régler dans ton couple, mais tu es venu pour servir dans ton couple, pour amener la vie dans ton couple, et tu ne veux pas importer tes problèmes dans ton couple. Troisième mythe, le mariage devrait me rendre heureux. Le mariage devrait me rendre heureux. En fait, je crois qu'il n'y a aucun autre mythe comme celui-ci qui est plus destructeur du mariage que celui-ci. Parce que si tu crois que le mariage est premièrement ou sert premièrement ton bonheur à toi, alors quand viendra les difficultés, quand deviendront les saisons de frustration, viendront aussi de sérieuses remises en question. Et puis petit à petit, tu vas dire, ok, ben, peut-être que ce n'était pas la bonne personne puisque je suis censé être heureux. Puis comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le mariage n'est pas censé te rendre heureux. Je ne suis pas en train de dire que tu es censé être malheureux, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire ça. En fait, heureusement, le mariage contribue à te rendre heureux. Mais en fait, ce n'est pas le but originel et ce n'est pas le but ultime du mariage. En fait, il y a Jésus pour ça. Christ seul me suffit, on l'a chanté tout à l'heure. Il y a Jésus pour ça. En fait, je crois que le mariage sert premièrement à te rendre beau. Il sert à te rendre beau, il sert à t'embellir. Je vais m'expliquer dans un instant. On pense en fait souvent que le jour du mariage, on est au summum de notre beauté. On est refait. Ceux qui n'ont jamais mis un costard, mettent un costard. La fille, ça fait des années qu'elle réfléchit à sa robe. Et là, enfin, elle met sa robe. Elle passe chez la maquilleuse. Elle passe chez un tel. Il y a plusieurs personnes qui sont là, qui s'occupent d'eux, qui l'aident, etc. Puis ensuite, il y a lui, il va chez le barbier. Ils sont propres, ils sont beaux, ils sentent bon. Ils se retrouvent. En plus, leurs habits matchent ensemble, évidemment, pour que les photos soient belles et que finalement, on puisse encadrer une belle photo pour la mettre dans le salon, etc. Donc, c'est vrai, c'est beau le jour de ton mariage, mais dans une perspective chrétienne, le mariage sert à te rendre beau, à te rendre saint, à te purifier, à te nettoyer, à te rendre de plus en plus beau. Amen. Dans une perspective chrétienne, ça veut dire qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, tu es beaucoup plus beau que le jour de ton mariage. Amen. Ok, laissez-moi vous lire un passage qui se trouve dans la parole, en la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, un passage, on a rigolé, et maintenant on va lire un passage, et vous allez voir, c'est un passage qu'on a, on rigole moins quand on le lit, c'est toujours des passages qui nous tendent un petit peu. Mais je crois qu'il est surtout mal compris, puis j'aimerais explorer avec vous ces quelques versets. Éphésiens 5, chapitre 22 et suivant. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui cette Église glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. La conviction, c'est bon. Et ce passage, je crois, qui est souvent mal utilisé. Honnêtement, si on doit faire juste une petite parenthèse ici, malheureusement, dans les cercles chrétiens, il a été très, très, très mal utilisé. Parfois, même dans les couples, il a été très mal utilisé pour se faire du mal l'un à l'autre. Et ce n'est absolument pas la direction du Seigneur. On va le voir tout à l'heure ensemble, on va aller dans le texte ensemble. Mais je crois qu'il y a, si l'un ou l'une d'entre vous a été abusé au travers de ce texte-là, je vous demande pardon. Parce que ce n'est absolument pas la direction que le Seigneur donne ici, ce matin. Et je crois qu'il est mal utilisé parce qu'en fait, il est mal compris. Mais je crois que c'est un des passages les plus profonds à propos du mariage, de l'Évangile et du lien entre les deux. En fait, dans ce court passage, Paul fait 5 fois le parallèle entre mari et femme et Christ et l'Église. 5 fois. Il dit verset 23, « Comme Christ est le chef de l'Église », verset 24, « de même que l'Église », verset 25, « comme Christ a aimé l'Église », verset 28, « c'est ainsi que le mari doit », verset 29, « comme Christ le fait pour l'Église ». Ce que Paul souligne ici, en fait, c'est qu'il y a un lien extraordinaire entre l'Évangile et le mariage. Et voici, il y a une sorte d'échange entre ces deux, entre l'Évangile et le mariage. C'est comme quand Dieu a formé le premier couple. En fait, quand Dieu a présidé à la première cérémonie de mariage, il pensait à l'Évangile. Et quand Dieu veut donner au monde et à la création tout entière une image de l'Évangile, il crée un couple. Vous voyez ? C'est mystérieux. C'est tellement profond. Quand Dieu veut proclamer l'Évangile à toute la création, il crée un couple. Puis quand il veut expliquer l'Évangile, il montre un couple, mais quand il veut montrer un couple, il le révèle par l'Évangile aussi. Timothy Keller le dit de cette façon, l'Évangile nous aide à comprendre le mariage et le mariage nous aide à comprendre l'Évangile. Et je disais, il y a un échange entre les deux. Et voici l'échange. Le mariage sert la cause de l'Évangile dans nos vies et dans le monde, et l'Évangile sert de guide et d'inspiration pour cultiver une relation saine de mariage. Alors on va prendre ces deux points ensemble ce matin, mais ton mariage sert la cause de l'Évangile dans ta vie et dans le monde. Quand on lit le passage, en fait, on comprend que Dieu veut utiliser le mariage pour te rendre de plus en plus saint, de plus en plus magnifique, de plus en plus beau, de plus en plus irrépréhensible selon la parole. C'est ça qu'il est dit au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quand Christ nous a rachetés, nous n'avons absolument rien, aucun atout en fait pour nous-mêmes. Christ nous a rachetés, nous a pris pour lui, on n'avait aucun mérite, aucun atout. Il nous a aimés, alors il s'est offert à nous. Quand Christ a fait alliance avec nous, il a pris la résolution de nous transformer. On n'était rien, mais il nous transforme, il nous rend irrépréhensibles, il nous change, il nous rend beau en fait. Tu vois, normalement, le jour du mariage, les mariés sont au plus beau, mais dans la logique de l'Évangile, c'est l'inverse. Le jour du mariage est en fait une introduction pour devenir de plus en plus beau. Tim Chester, dans son livre « Le mariage centré sur l'Évangile » dit « Dans un premier temps, l'amour nous trouve beau. Puis dans un second temps, l'amour nous rend beau. Il nous trouve beau, puis ensuite il nous rend beau. » Alors, les maris, les femmes, vous pouvez vous tourner vers votre conjoint ou conjointe. T'as encore rien vu. T'as pas encore vu la dernière version. T'as pas encore vu la... T'as juste eu un aperçu, t'as juste eu une introduction. Mais t'as pas encore vu la version finale. Et tu sais quoi, si tu tiens encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vas voir la version finale. Amen.
Dieu utilise le mariage pour nous sanctifier, pour nous faire devenir de plus en plus comme lui. Puis dans ce cadre-là, Dieu utilise aussi le mariage pour, comme une image ou comme un symbole pour le monde. Ton couple, en fait, quand il devient un message ou quand il est compris à la perspective de l'évangile, il devient un message pour le monde. En fait, on vit dans un monde où la majorité des gens autour de nous portent des blessures en lien avec les sentiments, les relations, les familles, les couples. Il y a toutes sortes de situations d'abus, des divorces dans les familles, des relations de couple qui ont porté atteinte à l'âme ou à la dignité des personnes. Encore vendredi soir, on avait la soirée louange ici. Et puis, en rentrant à la maison, la babysitter, elle est restée pendant une heure et demie de plus à discuter avec ma femme de à quel point il y a eu tellement de choses difficiles dans sa famille. À quel point il y a eu des déchirements, comment le divorce de ses parents a produit toutes sortes de problèmes, en fait, même relationnels, qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Elle en parlait en larmes. Jusqu'à une heure et demie du matin, elle était là, mais il y a un truc qui s'est passé, et jusqu'à aujourd'hui, ça m'affecte. Le monde autour de nous souffre et soupire après quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus solide que ce que la culture a proposé. Puis Dieu veut utiliser ton couple comme une vitrine, ou comme une image, comme un symbole de ce que c'est en fait, et de qu'est-ce qu'il produit dans la vie de deux êtres qui sont complètement imparfaits et complètement pécheurs. Tu veux voir à quoi ressemble l'évangile ? Regarde ma vie, regarde notre couple. Deux pécheurs qui vivent ensemble, par grâce, on avance, inspiré par l'évangile. Alors ton couple sert la cause de l'évangile, mais voici le deuxième point, l'évangile sert la cause de ton mariage pour cultiver une relation saine dans votre couple. Ça va peut-être te sembler surprenant, mais Éphésiens 5 est juste après Éphésiens 4. Aussi banal que ça puisse paraître, c'est extrêmement profond ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, la majorité d'entre nous, on lit la Bible comme un dictionnaire ou comme un mode d'emploi, comme une recette, et on prend les textes comme séparés de leur contexte. Ce qui veut dire que d'un coup, le texte devient une excuse pour dire ce qu'on avait en fait envie de dire nous-mêmes, ou croire ce qu'on avait envie de croire nous-mêmes. Mais donc, Éphésiens 5 s'inscrit dans une lettre. Et c'est intéressant, c'est extrêmement frappant quand on fait la lecture de la lettre aux Éphésiens. Je vous encourage à le faire à la maison. Faites la lecture de la lettre aux Éphésiens. Ça se fait vraiment en 30 minutes, vous avez lu. Si vous prenez le temps, 30 minutes, vous avez lu la lettre. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que dans les trois premiers chapitres, Paul redit 20 fois « en Christ ». En Christ. En Christ. Par exemple, chapitre 1, verset 4, il dit « en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde ». Chapitre 1, verset 7, il dit « En Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. » Au chapitre 2, verset 11, il dit « En Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches, etc. etc. » 20 fois, il fait « En Christ, en Christ, en Christ. » Puis en fait, ce que Paul fait, c'est qu'il consacre la moitié de sa lettre à expliquer ce qu'il dit au tout début de sa lettre. Au verset 3, il dit, chapitre 1, verset 3, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est subjugué par toutes les bénédictions qui s'attachent à être en Christ. Il dit « Voici tout ce que Dieu a fait pour nous lorsqu'on demeure en Christ. » Et il fait une liste qui est honnêtement pas exhaustive, mais de tout ce que Dieu bénit dans nos vies lorsqu'on se tient en Christ. Et au chapitre 4, il y a comme un tournant. Et il commence le chapitre 4 en disant ceci. « Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez, qui vous a été adressé. » En fait, il parle de l'évangile. Il dit « Vivez d'une manière digne de l'évangile. » Puis si l'expression des trois premiers chapitres, c'est « en Christ, en Christ, en Christ », l'expression des trois derniers chapitres, c'est « comme Christ ». En fait, le message d'Éphésiens peut se résumer d'une manière très très simple, de cette manière-là. Nous avons tout reçu pleinement en Christ, par conséquent, nous faisons tout pour vivre comme Christ. Nous avons tout en Christ, alors nous vivons comme Christ. Très très simple. Puis on veut vivre comme lui pour lui ressembler, pour vivre à son exemple. En fait, en essence, il dit, la grande image ou la grande histoire de l'évangile doit définir comment toi tu vis ta petite histoire à toi. Grande histoire, petite histoire. Alors dans les trois prochains chapitres, Paul va appliquer cette exhortation à chaque aspect de notre vie. Il va parler de la communauté, il va parler aussi des familles, il va parler du travail, il va parler de toutes sortes d'aspects où en fait l'évangile est appliqué comme Christ, vivez comme Christ. Et on arrive au chapitre 5 et là il dit « Marie, femme ».
agissez comme Christ. Et il applique l'évangile en disant, la grande histoire de l'évangile doit maintenant infuser votre manière de vivre votre vie à vous deux, comme Christ. Puis moi, je crois que c'est réellement important de réaliser que nous sommes appelés à vivre une vie de couple qui est inspirée de l'évangile, où nous laissons infuser en fait l'évangile dans nos relations les uns avec les autres. Alors non seulement notre couple parle de l'évangile, mais l'évangile vient changer ou bouleverser, transformer notre façon de vivre le couple. Et il y a des principes de l'évangile, il y en a beaucoup, 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 mais j'en ai sélectionné trois pour vous ce matin. Trois principes ou trois choses, trois phrases qui sont inspirées de l'évangile et qui peuvent réellement amener une croissance ou cultiver, faire fleurir notre couple grâce à l'évangile. Première phrase, dis-lui, je te promets. Dis-lui, je te promets. Je te promets. Ça, c'est une phrase de l'évangile. Je te promets que je te promets. C'est une phrase de l'évangile. L'auteur anglais Chesterton fait remarquer qu'en tombant amoureux, on a une tendance naturelle à montrer nos sentiments, à démontrer nos sentiments. Mais aussi, on a une tendance naturelle à nous engager par des promesses, à faire des promesses l'un à l'autre. Par exemple, je t'aimerai toujours. Je ne sais pas si vous avez eu des petites amourettes quand vous étiez plus jeune, etc. Et puis, vous dites, je t'aimerai toujours, on sera toujours ensemble, je ne te lâcherai jamais, etc. Donc, de manière naturelle, on a tendance à faire des promesses. Puis une des choses qui caractérise la bonne nouvelle de l'évangile, c'est la fidélité de Dieu à ses promesses. Dieu fait des promesses et Dieu accomplit ses promesses. Alors dis-lui, je te promets. Toi, le jour de notre mariage avec Christina, on a échangé beaucoup de choses. On a échangé des anneaux, on a échangé des bons moments, on a même échangé un baiser devant tous les invités, les convives. Et on a échangé aussi... nos promesses. Et en fait, c'est ça qui fonde le mariage, les promesses. C'est ça qui engage ou qui donne une fondation au mariage. En fait, les promesses ne sont absolument pas accessoires. Elles sont pas une déclaration d'amour de l'instant. Là, je me sens bien avec toi, puis j'aimerais te le dire. Je t'aime bien. En fait, je t'aime bien, puis c'est pour ça que je veux me marier avec toi. C'est pas ça. Les promesses, c'est pas ça du tout. C'est pas non plus une espérance future que dans le futur peut-être que j'espère que tout ira bien ensemble, tu vois. On fait pas du tout ça à l'église. Enfin, je sais pas pour vous, c'était pas du tout comme ça pour nous, c'était des promesses qui nous engageaient l'un envers l'autre. Dans le futur, peu importe ce qui se passe, dans la maladie, dans la santé, je serai avec toi. Je me tiendrai avec toi. Puis je continuerai à alimenter notre amour l'un pour l'autre. Alors les promesses sont non seulement la fondation du mariage, mais je crois qu'elles servent aussi à cultiver le mariage, à renforcer le mariage, et même à réparer le mariage. Fais pas des promesses seulement le jour de ton mariage, fais des promesses encore et encore. Rappelle les promesses, je te promets encore aujourd'hui. Puis tu te souviens les promesses que j'avais dit, je les tiendrai encore aujourd'hui. Dis-lui, je te promets. Dis-lui, je ne t'abandonnerai pas. Je suis à toi, t'es à moi. Je m'engage à bâtir ma vie avec toi. Dis-lui toutes ces choses-là. Fais-en une habitude. Fais-en régulièrement des promesses. En fait, fais comme Dieu, qui page après page, chapitre après chapitre, histoire après histoire, redit les promesses à son peuple. Il rappelle l'alliance par les promesses. Keller le dit de cette façon, la passion nous fait faire des promesses et la fidélité aux promesses alimente notre passion. Il y a un lien entre les deux. Alors que par la passion, tu fais des promesses, et lorsque tu tiens tes promesses, tu alimentes ta passion. Dis-lui, je te promets. Dis-lui aussi, deuxième phrase, je t'aime. Basique, je t'aime. Mais une des autres choses qui caractérise l'évangile, c'est que Jésus-Christ s'est donné pour nous alors qu'il nous connaissait. Il nous aime alors qu'il nous connaît. Et il connaît qui on est sans faux semblant, sans masque. Il sait exactement qui on est. Il n'y a rien qui lui est caché. Il sait qui on est et il dit, je t'aime, même si je sais qui tu es. C'est extrêmement puissant. Parce qu'on a tellement besoin de ça, en fait. C'est une de nos craintes. On a peur d'être connu. Parce qu'on a peur d'être pas aimé après. En fait, ce qui fait peur dans le mariage, c'est que finalement, il y a une personne à qui, pendant des mois, les mois ou les années de fréquentation, tu as présenté une belle image. Puis après, elle habite ou il habite à côté de toi.
L'image se défait petit à petit, puis tu commences à voir la réalité de l'image. Il y a une image derrière l'image, c'était en filigrane. Maintenant, elle voit bien l'image. Tu vois, ma femme, avec le temps, petit à petit, Christina, elle pourrait écrire un livre en plusieurs tomes de qui je suis, de mes faiblesses, de mes péchés, de toutes mes limitations, de tous mes paradoxes. Elle connaît tellement de choses de moi. Pour écrire un livre, je ne voudrais pas qu'il soit publié là, par contre. Ouais, on va peut-être pas le publier, celui-là. Mais c'est ça, à mesure que le couple se connaît, à mesure qu'on voit réellement qui l'autre est, l'amour devient de plus en plus réel. Quand je dis « je t'aime », ça a beaucoup plus de poids, ça a beaucoup plus de force, parce que je t'aime malgré que je te connais. Timothy Keller le dit de cette façon, on aspire tous à être connus parfaitement et aimés pleinement. Être aimé sans être connu est réconfortant, mais superficiel. Être connu sans être aimé constitue notre plus grande crainte. Mais être pleinement connu et véritablement aimé ressemble beaucoup au fait d'être aimé par Dieu. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je te connais, je t'aime. Dans un de ses bouquins très connus, Gary Chapman parle de 5 langages d'aimer. Hein, vous connaissez la plupart d'entre vous ce livre, il parle des 5 langages de l'amour. Et on peut aimer de différentes façons, on le reçoit de différentes façons et on le montre de différentes façons. Mais moi je te dirais, prends les 5 et fais les 5. Comme ça tu es sûr de ne pas tomber à côté. Donne des paroles valorisantes. Donne des attentions, peut-être des cadeaux. Donne du temps de qualité à deux. Rends service encore et encore. Et finalement, tu peux démontrer aussi ton amour par l'intimité physique et sexuelle. Et pratiquer ces 5 choses-là tout le temps. Comme ça, tu es sûr de ne pas tomber à côté du langage de l'amour de ton conjoint, de ta conjointe. Dis-lui, je t'aime encore et encore. Et je termine avec ceci. Donc, dis-lui, je te promets. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je te demande pardon. Pardon. Je te demande pardon. On parlait l'autre jour avec une personne de la communauté. Puis à un moment donné, dans la discussion, elle m'a dit « J'ai plus souvent dit pardon que je t'aime. » Et c'est tellement vrai. C'est pour ceux qui sont en couple depuis 10, 15, 20, 30 ans, vous savez à quel point on est capable de se blesser l'un l'autre. Vous savez à quel point on peut se faire mal les uns les autres. Et c'est ça, j'ai tellement dit souvent « pardon ». J'ai tellement dit souvent « je suis désolé, j'aurais pas dû » ou « je te pardonne, même si tu m'as fait mal ». Si vous êtes marié depuis quelques années, vous savez à quel point c'est vrai. Tim Chester a dit ceci, 2 problèmes fondamentaux affectent chaque mariage. Le premier problème, c'est le mari. Le deuxième problème, c'est la femme. Le mariage est l'union inquiétante de 2 pécheurs. J'ai beaucoup aimé le mot inquiétant. Vraiment, hein, dans les préparations de mariage, parfois, oula, c'est inquiétant ça. Qui caractérise l'évangile de Jésus-Christ, surtout, c'est que Dieu a choisi de nous pardonner. Il a choisi, alors que nous étions fautifs, alors que nous étions pécheurs, il a choisi de nous pardonner. Et à cause de ses promesses, et à cause de son amour, malgré qu'il nous connaît, Dieu a choisi de te pardonner, d'essuyer la dette encore et encore. Péché passé, présent et futur. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas seulement par des paroles. Il a accepté ou il a pardonné en acte. Et ça lui a coûté ce qu'il avait de plus cher. Imaginez. Et on prie cette prière, pardonne-leur comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. La première personne à qui tu peux pardonner, c'est ton conjoint, ta conjointe. Alors dis-lui, je te demande pardon. Puis dis-lui, je te pardonne. Je te pardonne. Puis pour ça, il existe... C'est hyper important de réaliser en fait qu'il y a des chemins par lesquels on accepte le pardon et par lesquels on demande pardon. Puis ça a révolutionné notre façon de fonctionner en couple avec Christina, de réaliser en fait qu'on avait 2 façons de dire pardon et d'accepter le pardon de l'autre. Il existe en fait autant les langages de l'amour, mais il existe les langages du pardon. Voici les 5 voies, les 5 passages pour dire pardon, pour accepter pardon. Le premier moyen, c'est de dire pardon, dire le mot pardon. Hein, certains, pour vous, c'est difficile de dire pardon. Ou alors, si quelqu'un vous dit pardon, ça ne fait absolument rien. Pardon, ouais. Mais pour d'autres, c'est extrêmement important que le mot pardon tombe. La deuxième façon, c'est d'expliquer ou de comprendre ce qui s'est passé.
Hein, certains d'entre vous ne voulaient pas entendre pardon, vous voulez juste, on va discuter maintenant, tu vas me faire une disserte de 2 heures, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu m'expliques tout, je veux tout savoir, tout ce qui s'est passé. Puis d'autres, honnêtement, tu ne veux absolument pas ça. Tu veux pas passer encore, tu viens de te prendre la tête, tu ne veux pas encore passer 2 heures à discuter de ça ou quoi? Une autre façon encore de dire pardon ou d'accepter le pardon, c'est de réparer les dommages occasionnés. Hein, certains d'entre vous, c'est comme ça, vous n'allez pas dire pardon, vous n'allez pas expliquer, par contre, vous allez réparer le truc. Avant même de discuter, j'ai réparé. Puis une autre, peut-être un autre groupe de personnes, vous passez rapidement à autre chose. Hein. Pour vous, pardonner, c'est juste faire comme si de rien n'était. Viens, on fait autre chose. Viens, tu veux pas aller au cinéma? Viens, on va au resto. T'sais, puis la tension descend, etc. Puis tu veux juste passer à autre chose, penser à autre chose. La dernière façon encore de dire pardon, c'est de prendre le temps de digérer. Il y a certaines personnes, vous voulez juste vous isoler, vous voulez être seul. Vous êtes là seul avec le problème, puis vous restez un bon moment, peut-être 2 heures, l'autre est en train d'expliquer, de faire sa disserte, toi tu es seul. Tu réfléchis. Donc c'est extrêmement important en fait de comprendre qu'il y a différentes façons de pardonner, puis il y a différentes façons de recevoir le pardon. Puis lorsque tu découvres comment ton conjoint fonctionne, ça aide énormément. Moi, Christina, on a 2 façons très, très, très différentes de dire pardon et d'accepter le pardon de l'autre. C'est fou. Et ça nous a aidé à trouver le chemin, en fait. Typiquement, je fais partie des gens qui veulent expliquer. Là, je veux le mot pardon et je veux l'explication. Et puis Christina fait partie de ceux qui ne veulent pas expliquer, qui réparent et qui veulent rapidement passer à autre chose. Et du coup, de comprendre ce chemin-là, ça m'aide à m'approcher d'elle et de lui dire pardon dans son langage à elle. Et du coup, qu'elle me demande pardon dans mon langage à moi également. Alors dis-lui, je te promets, dis-lui, je t'aime et dis-lui, je te demande pardon. J'aimerais prendre encore juste quelques instants de prière ensemble tout à l'heure. Puis en terminant, je réalise ce matin qu'on a parlé voilà, des relations idéales, on a parlé voilà, de l'évangile, puis il y a un côté un petit peu justement idéal. La réalité, c'est qu'il y a tellement d'histoires dans cette pièce différentes. En fait, je pense qu'il y a autant d'histoires que de personnes dans cette pièce. Puis pour certains, en fait, c'est une vie brisée. Quand on parle de couple, ça fait que écho à des brisures. Ça fait mal à l'intérieur. Et vous ne savez pas comment, en fait, aborder cette question. Vous préférez juste même pas l'aborder. Pour vous, c'est pour ça. Vous aimeriez juste passer à un prochain sujet. C'est quoi le prochain sujet? Parce que vous ne voulez pas aborder cette question qui fait mal. Pour d'autres, au contraire, votre couple fleurit. Puis c'est un lieu où vous vous épanouissez. Merci Seigneur pour ça. Mais dans toutes ces choses-là, on est devant la parole et devant Dieu, et puis on dit, Seigneur, on a besoin de toi. Pour continuer à aller bien, pour continuer à marcher dans tes voies, Seigneur, ou Seigneur, j'ai besoin d'une restauration, d'une guérison. Il y a eu tout à l'heure plusieurs paroles qui ont été données en lien avec la guérison. Ça fait très, très, très écho à ce que j'avais à cœur cette semaine. J'avais à cœur, je disais, Seigneur, il y a quelqu'un qui a un cœur brisé dans la salle. Il y a quelqu'un, ça lui fait mal quand on parle de couple, on parle de relations amoureuse et ça fait mal, encore plus mal. C'est comme si le couteau était retourné dans la plaie. Moi, je suis convaincu que Dieu veut réparer. Je suis convaincu que Dieu veut restaurer. Puis même, il tire gloire de restaurer. Il y a peut-être quelqu'un qui est célibataire, puis en fait, c'est comme une épée de Damoclès sur ta tête. Depuis des années, peut-être même une décennie, que tu dis, mais Seigneur, il n'y a personne pour moi ou quoi? Ça fait mal à l'intérieur parce que ça touche dans ton identité, puis tu as tellement l'impression d'être moins que les autres, d'être un sous-chrétien. J'aimerais te dire que c'est absolument faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Puis Dieu, il veut restaurer. Dieu, il veut guérir. Moi, j'avais vraiment cette conviction en venant ce matin, Dieu veut restaurer quelqu'un. Peut-être c'est plusieurs personnes, je ne sais pas, mais je ne veux pas sortir de cette salle. Je sais qu'on a dépassé au niveau du temps, mais j'aimerais pas sortir de cette salle en donnant pas l'occasion à quelqu'un de dire « c'est moi en fait ». Puis c'est moi qui ai le cœur brisé, puis ça me fait mal à l'intérieur. Puis à chaque fois que je pense à ça, j'ai envie de tout claquer. J'ai envie de claquer la porte à Dieu. Puis Dieu, il veut restaurer ta vie. Il veut guérir ta vie. Parce que Dieu est le Dieu qui tire gloire de la résurrection dans ta vie. Tout ce qui semble mort, il est le Dieu qui se tient dans la ruine et qui déclare la vie dans la ruine. Il se tient debout et il veut restaurer ta vie. Et si ton cœur est en ruine ce matin, Dieu déclare à ton cœur, il va y avoir de nouveau la vie là-dedans. Il va y avoir encore la vie là-dedans.
Seigneur, on est devant toi. Humilié, Seigneur, parce que on réalise que le modèle est tellement élevé, tellement grand. Le standard est tellement élevé, il semble inatteignable, Seigneur. Merci parce que tu étends ta grâce sur nous ce matin. Tu étends ta grâce sur les couples qui ont besoin de reconstruire, qui ont besoin de pardonner, qui ont besoin de passer à une nouvelle étape de leur vie de couple, Seigneur. Tu étends ta main aussi sur un célibataire, une célibataire qui est là et qui attend et qui a un sentiment d'attente et d'être dans une salle d'attente, la salle d'attente de Dieu. Et tu étends ta main ce matin sur chacun, chacune. Peu importe la situation ou la saison dans laquelle tu te trouves ce matin, tu peux t'avancer vers Dieu ce matin. Tu peux recevoir sa grâce pour toi. Tu peux recevoir la vie de Dieu dans ton cœur ce matin. Et c'est pas que tu marches loin des voies de Dieu, c'est pas que tu vis à côté ou que tu es dans la désobéissance. C'est juste que ton cœur est brisé. Et tu peux amener ton cœur brisé à Dieu. Il n'y a pas de condamnation ici. C'est un espace de grâce. C'est un temps de grâce. C'est une journée de grâce pour toi. Un temps de restauration pour ton couple, pour ton cœur, pour tes projets, pour tes rêves. Dieu veut restaurer ce matin. Et il a cette gloire, il tire cette gloire de se tenir dans les ruines de ton cœur et de proclamer que ici viendra la vie, que ici vient la vie, que ici habite la vie. Merci Seigneur parce que tu étends maintenant ton esprit sur les cœurs qui sont brisés. Et tu restaures Seigneur, tu amènes la guérison en profondeur Seigneur, dans l'âme, dans les sentiments, dans les émotions qui ont été brisées. Peut-être même dans la dignité qui a été brisée, Seigneur, ce matin, tu amènes la restauration, Jésus. Parce que tu es le Dieu qui guérit. On l'a entendu ce matin. Tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. On ne va pas exposer personne ce matin. Alors, si cet appel résonne dans ton cœur, reste pas avec ça. Pars pas avec ça. Tu peux venir à l'avant, tu peux... Il y a une équipe de prière qui va se tenir là. Moi, je vais me tenir aussi devant ici, puis je vais prier. Puis, s'il y a une personne ou une autre qui voudrait recevoir la prière, puis on ne va pas s'exposer ce matin les uns les autres, mais tu peux simplement t'avancer tout à l'heure. Je te prie aussi, Seigneur, pour les couples de cette communauté, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les mariages de cette communauté. Je prie, Seigneur, que tu puisses faire fleurir, que tu puisses faire développer, Seigneur, et grandir les couples et les familles de cette communauté, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu élèves une génération différente, parce que tu élèves une génération choisie. Tu élèves Seigneur une génération qui va refléter ton cœur dans cette culture et dans cette ville brisée Seigneur. Merci Seigneur parce que tu veux donner un espoir aux habitants de cette ville au travers des couples de ce lieu Seigneur. Merci Jésus parce que tu veux utiliser nos couples pour avancer ton projet et ton royaume dans cette ville Seigneur. Merci Jésus parce que tu fais de nous des ambassadeurs de ton royaume. Par nos couples, par l'exemple de nos couples, parmi nos voisins, parmi nos collègues, parmi les gens que tu as mis autour de nous Seigneur. Alors nous sommes prêts à danser avec toi, prêts à te servir Seigneur, prêts à être utilisés de toi comme une image, comme un symbole pour ta gloire Jésus. Utilise-nous Seigneur, fortifie les couples, donne de la force Seigneur aux couples, au mariage et aux familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur.